Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis forcément très très contente de vous retrouver. Mais j'ai retrouvé ma caméra et j'ai un petit moment à moi toute seule. Donc j'en profite pour filmer dans la chambre de mon chéri. Seulement donc je suis malade, c'est pour ça que vous allez entendre une voix super bizarre. Mais ça fait presque une semaine que je suis malade. Donc voilà, peu importe, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé, donc parce que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas filmé, je sais pas si je l'ai dit ou pas parce que j'ai déjà recommencé la vidéo 4-5 fois. Donc en fait ça a été fini avec Cédric, donc je n'ai forcément plus de maison puisque ma maman avait, comment expliquer, en gros avait donc occupé mon autre chambre. Donc voilà, ce qui fait que j'étais un peu sans maison. Et donc j'étais habitée chez mes grands-parents. Et maintenant je suis plus souvent chez mon nouveau copain, si je peux dire ça. Ça fait quand même ça fait 3 mois qu'on est ensemble déjà. Oui, certaines vont me dire: oh mais t'as été super vite pour te remettre avec quelqu'un. Mais enfin voilà, j'ai pas envie de m'expliquer là-dessus. Comment dire, ça a été à grand flash. Donc voilà, je me suis dit c'est quelqu'un de bien, je le laisse pas passer. Et donc maintenant ça fait 3 mois qu'on est ensemble, on s'entend super bien et tout se passe bien. Donc voilà, j'espère vous le montrer un jour s'il veut bien. Donc voilà, ça c'est pour la maison. Maintenant j'attends que ma maman vende sa maison justement pour aller revivre avec et donc réavoir une chambre et réavoir tous mes maquillages, etc. Parce que vu que j'ai dû partir vite de ma maison, et ben j'ai pas vraiment trié ce que je voulais garder avec moi pour tous les jours parce qu'on a mis tout dans un container, ce qui fait que il me reste pas beaucoup de maquillage. Il me reste un petit bac. Donc tout est dans le container et j'aime, c'est bête mais j'aurais bien voulu faire des maquillages pour l'automne et tout ça comme j'avais fait l'année passée, que j'aimais bien avec le doré, etc. Et avec le prune et tout ça, enfin bref, et j'ai gardé que 3 palettes et il n'y avait pas des couleurs que je voulais. Donc voilà, en gros, pour les études ça se passe bien, je suis en sage-femme toujours, hein. Je n'ai pas changé d'avis cette fois-ci, je m'y tiens. Sauf que pour la première fois qu'on s'entraîne avec des aiguilles en coupant la fiole, je me suis coupée. Ça commençait bien. Enfin bref. Et donc, maintenant je suis en vacances et j'ai donc 2 semaines de vacances qui s'appellent pas les vacances. Quand t'es en supérieur, c'est la bloc, donc ça sert à étudier parce que dès qu'on a fini les 2 semaines, bam, on part en examen. Et après les examens, on a 2 ou 3 semaines de cours, je crois, et puis c'est les stages. Donc voilà, c'est assez boum. Mais j'ai pas du tout perdu ma passion pour la beauté. Je regarde encore des vidéos, mais c'est assez rare parce que, bah voilà quoi, j'aime bien passer du temps avec donc le GAN. Et puis on est parti aussi et tout ça, donc enfin bref. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup manqué de filmer. Et donc je suis super contente en fait. Genre, je suis. Voilà, quand je me suis dit allez Laurie, lance-toi, refilme un petit peu parce que ça me manquait trop. Et puis j'avais beaucoup de commentaires gentils. Et d'ailleurs hier en faisant les magasins, j'ai une de mes abonnées, ça me fait rire de dire ça, mais qui est venue me dire qu'elle adorait mes vidéos et tout. Donc toujours croiser des gens dans la rue, ça me fait toujours super plaisir. Je me prends pas pour une star, mais vraiment loin de là, mais ça me fait super chaud au cœur quand on vient me trouver. Et alors en fait je peux paraître assez froide, mais je suis super timide en vrai. Donc voilà, enfin bref. Et voilà, donc c'était tout ça pour vous dire que je suis super contente. Je vais essayer de filmer une ou deux vidéos pendant les vacances. Peut-être le tag boyfriend s'il veut bien. Enfin voilà, je me prépare mon coup, j'espère. Et donc je vous fais plein 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 de gros bisous. Je suis encore super, une fois, super contente de vous retrouver. Ah oui, et j'ai pas fini de raconter ma vie, je sais pas pourquoi je dis déjà plein de gros bisous. Donc pour Alphonse, il est resté avec Cédric parce que vu que moi j'avais pas de maison et tout ça, bah j'allais pas le prendre ici et là. Mais il manque beaucoup, enfin voilà quoi, c'était mon chat et dans mon cœur ça l'est toujours. Et c'est vrai que c'est assez difficile, je pensais pas qu'il me manquerait autant. Mais voilà quoi, j'y pense presque tous les jours. D'ailleurs j'ai gardé les photos de lui sur mon téléphone et ses petites vidéos quand il faisait... quand il faisait son malin, parce qu'elle faisait toujours bien rire. Enfin voilà, donc sinon en gros je pense que c'est tout. J'ai profité des fêtes estudiantines, je sais pas si on dit comme ça, parce qu'avant je bougeais pas beaucoup de chez moi et là je m'ouvre un peu, on va dire, si je peux dire ça.
Et donc voilà, je suis assez essoufflée, ça m'énerve d'être malade. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je filme, je suis en train de respirer comme un phoque parce que je suis malade. Au mois d'avril aussi, quand j'avais fait beaucoup de vidéos, ou au mois de mai, je sais plus, j'étais malade aussi. Enfin voilà, donc aussi si vous aimez bien Instagram, moi je suis dessus et je passe ma vie là-dessus en fait, j'aime bien être dessus. Ou alors sinon, bah, parce que je comprends pas trop le truc, le nouveau truc avec Google et YouTube, donc on verra bien si cette vidéo se postera. J'adore. Vous pouvez voir que la chaise de Logan elle est géniale, on manque de se tuer quand on est dessus. Et je vais le laisser parce que vu que je laisse toujours mes conneries à l'écran, ben voilà quoi. Bref, et je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'ai l'air super orange encore. Pourtant, je suis devant la fenêtre. Enfin bref, blabla. Je raconte encore ma vie. Mais je suis trop contente de filmer. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.